Là. Comment t'as cuit là? Ah, ça ici. Ok, là-bas. Là-bas, ici. Merci. Il veut faire des jeux. Tu fais en direct. C'est ça. Une cuite de ça. Bonsoir. Bonsoir. Merci. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Chaud en France aujourd'hui. Il fait très chaud en France aujourd'hui. Très très chaud. Très 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 chaud. Aujourd'hui en France. Bon après-midi, bon après-midi, bonsoir, bonsoir, bonsoir. On partage, on like, on envoie les cœurs. Très important. Bon après-midi, bon après-midi, bon après-midi. On like, on partage et on envoie les cœurs. Ferme la porte là, s'il te plaît. Bruit de voiture. Midi, bon après-midi. Bon après-midi à vous. J'espère que vous allez bien. Je vous ai donné rendez-vous aujourd'hui à 18h. Je suis toujours à l'heure. L'heure. Vous allez lire l'heure. Vous allez lire l'heure. J'espère que toutes les TK se sont présentes. Je vais vous parler un peu aujourd'hui des enfants. Si. I want to speak you. But
fait ça. Du lap. Du lap. Me, I speak you du lap. I want to speak you. All décassé. I want to speak. Yeah. I know good. Ça va les enfants? Ça va la TKC? On partage dès qu'on atteint le nombre, on commence. On partage dès qu'on atteint le nombre, on commence. On partage, merci, merci de partage. Merci, merci, merci de partage, s'il vous plaît. J'ai besoin de partage. On partage partout. Partagez partout. Partagez même dans les groupes, partout. Partagez. Dès qu'on atteint le nombre, on commence. Et Djomboubourg. Ça dit quand on dit qu'il y a des personnes sur la toile qui manquent de sujet, qui manquent de contenu, ils sont obligés de faire de ramener les remembers. Je vous ai dit la TK, c'est partager le live, partager d'abord le live aussi, partager parce que c'est le problème que j'ai avec vous. C'est pour ça que j'ai d'abord envie de parler à ma TK avant de commencer. Je constate que vous ne partagez pas les lives. Vous n'aimez pas partager. Même les posts. Quand vous faites des posts entre vous, les collègues, partagez. Parce que le post fait aussi, passe aussi un message. Quand il y a un post, ce post-là, il y a un message qui va avec. Donc, partagez pour que ça arrive à bon port. Parce que même, ce n'est pas d'aujourd'hui que je vous dis souvent ça. Je dis toujours ça à mes enfants. Nous sommes nombreux. Mais vous, d'habitude, vous venez seulement vous regarder, vous ne partagez pas. Il faut partager, c'est important. Il faut vraiment partager les lives et partager les posts. Quand une TK se fait un post, versez-vous dessus, partagez. C'est ça, l'union fait la force. Ensemble, vous êtes forts. Mais si vous laissez une seule personne, ou deux personnes, ou trois personnes partir au combat, ce n'est pas bon. Il y en a qui sont vaillantes, qui ont envie de bosser, mais vous ne les encouragez pas à bosser. Par contre, quand elles vont faire, elles font des posts, font des lives, et vous partagez, ça les encourage à venir faire des lives et faire des posts tout le temps. Vous savez que je viens déclarer aujourd'hui, je viens déclarer que nous sommes en guerre avec Paddy Farou. Nous sommes en guerre, nous entrons en guerre avec Paddy Farou. Donc pour ça, chargez vos armes. Chargez les armes. Et vous tirez à balle de yel. Avec lui, là, on ne caresse pas. C'est un ancien combattant. Il a encore les derniers piches. Donc, ne lui laissez pas vouloir faire un peu comme s'il veut prendre un peu de la place. Il faut l'anéantir avant le temps. En attendant, je vois un cri. Tant que vous partagez. Partagez le live. Ça, c'est une clé que j'avais gardée depuis. Elle sortit ça aujourd'hui. Bon, continuons. Partage, t'es cassé. Je vous ai dit que nous sommes en guerre. Le son est bon, vous m'entendez? Le son est bon ou pas? Joséphine Legrand, le son est bon.
Excuse-moi, est-ce que tu peux me donner mon chargeur là-bas, s'il te plaît? Notre bébé a grandi. Parce que moi aussi, je l'envoie déjà. Sauf que peut-être encore l'envoyer dehors. Aller au marché, aller au magasin, tout ça. Dans la maison. Donne-moi la prise là. S'il te plaît. On partage, on n'a pas encore atteint notre nombre. L'enfant dure dans le ventre. Dès que l'enfant sort, là, c'est fini. Bon. J'ai 1 heure de live parce qu'après, j'ai une veillée. J'ai la veillée aujourd'hui. Il y a ma voisine qui a perdu sa mère et la veillée, c'est aujourd'hui. Donc, comme je vous ai dit hier que je faisais un direct aujourd'hui, je plante d'abord le décor avant d'appeler mon invité. Lettre cassée. Bonsoir. Bonsoir aux sympathisants. Bonsoir à tous ceux-là qui me suivent. J'ai envie de vous dire que nous faisons des combats d'équipe. Nous sommes une équipe. Et nous combattons ensemble. J'aimerais vous dire aujourd'hui que nous sommes en guerre. Nous ne sommes plus dans les clashs, mais nous sommes en guerre avec quelqu'un. Et ce monsieur-là s'appelle Padefao Panjansam. C'est quelqu'un que lui-là, vous devez tirer à balles réelles. Je fais un communiqué aujourd'hui en vous disant, allez me sortir tous les remembers. Toutes les vidéos où il insulte les femmes. Il insulte les fesses des femmes. Allez me ressortir tout ça. Maintenant, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Allez ressortir tout ça. Vous faites aussi des montages. Vous leur montrez que votre mère n'était pas à l'école, mais vous étiez à l'école. Vous faites les montages, vous mettez les voix dedans là, vous mettez tout, vous tournez ça en genre. Sortez ça comme ça là, genre. Vous atomisez. Grenade. Là. Ça va m'empêcher de venir trop parler. Parce que trop parler, là, il fait très chaud en ce moment. Il n'y a pas la plage ici à côté. Donc, vous malaxez ça, vous malaxez, vous malaxez, vous malaxez. Allez, centre, boum, vous atomisez. C'est comme ça que vous devez taper le type là. J'espère que vous avez compris. Sortez les vidéos. Il a plein de vidéos là où il insulte les femmes copieusement. Et ces femmes-là sont des mamans. Parce que moi, je suis une maman. D'accord? Toi qui me regardes, tu es une maman. D'accord? Alors, ce monsieur a copieusement lavé les mamans. Il vous a traité de bédjombi bora. Alors, moi, je viens dire ici ce soir qu'on sorte une vidéo où j'ai insulté la maman de quelqu'un pour rien. Sans qu'on ait insulté ma mère. Et allez aussi faire chercher les remembers là d'où on a insulté ma mère. Là d'où on a caricaturé ma mère. S'il vous plaît, sortez tout ça. Comme ça, les gens sauront que elle a insulté la mère de quelqu'un de X ou Y parce que on avait aussi insulté sa mère. Donc, monsieur Defao, tu es léger. J'ai envie de te faire comprendre que tu es léger. Chaque fois que je vais sortir
une bombe sur Marie la régie, tu vas toujours sortir, tu vas marcher à mon rythme. Là, je te caresse encore. Tu as compris, non? Là, je te caresse encore. Je veux, c'est-à-dire, je veux te faire du sale. Je veux montrer aux yeux du monde comment ta femme drague les femmes. Affronte-moi. N'amène, ne cherche pas les alliés. Ne pas chercher les remembers qui sont passés depuis. Amène-moi les lives de maintenant. Papa, toi et moi, c'est corps à corps. Ne pas chercher les alliés de gauche à droite. Viens avec moi face à face. Je t'atomise. Je t'atomise. Ce que j'ai là. Tu devais savoir donc que c'est toi qui vas creuser ta propre tombe. Et tu vas toi-même ouvrir ton cercueil, tu vas entrer. Parce que cette phrase que tu as sortie, les gens même qui étaient avec toi ne sont pas d'accord. Ce sont eux-mêmes qui m'ont donné ces balles que j'ai sur toi. Et sur ta femme. Tu as compris, non? Ta femme part carrément envoyer un message à une autre gars. J'ai envie de jouer. Regardez-moi. J'ai dit, pas de Fao. Tu t'es attaqué à la mauvaise personne. Tu as compris, non? Tu t'es attaqué à la mauvaise personne. Il faut que les gens sachent que tu es un manipulateur. Est-ce que tu peux aller au champ de guerre seul? Non. Tu as toujours besoin des alliés comme tu avais toujours besoin de moi. À l'époque, tu avais toujours besoin de moi. Tu as eu honte que je suis au courant que tu as invité les gens à Paris. Ce n'est pas toi qui as tout payé. Papa, ce n'est pas toi qui payes. Tu veux mettre à coucher ton sac ou tu ne peux pas décrocher. Pas Jansan. T'avais Toyom. Ou Yedjomour. Tu n'es rien. Pas Jansan. Tu n'es rien. Et tu ne seras jamais rien. Je t'ai couvert ici pendant longtemps. Je t'ai mis en haut sommet. Je suis venu mentir pour toi. Parce que je voulais qu'on te respecte. Malgré que tu mettais tes pieds, tes mains dans la boue. Je suis venu dire que non, ce monsieur-là, c'est un grand monsieur, il travaille à la banque. Il est propriétaire de maison. C'est moi qui ai sorti ton secret, papa. Ce n'est pas moi. Moi, je t'avais couvert. J'avais dit qu'il y a des caméras partout. Que si quelqu'un tente. Je suis venu mentir pour toi. Tu me disais de partir mentir. Moi aussi, je mentais. Tu me dis que je dis aussi. Aujourd'hui que tu as vu que je ne peux plus marcher à ton rythme, que je ne suis plus prête, tu peux sortir. Les vidéos. Donc tu es en manque de. Voilà, c'est à bloquer même. La personne est à bloquer. Parce que ici, moi, je ne joue pas. Hein. Celui-là, non, on ne joue pas. On ne donne pas le lait ici. Là. Ici, là, ça ne joue pas. Les TKC, en ce moment, elles sont très nerveuses. Voilà. Elles ne sont pas. Elles ne caressent pas. On les attaque, elles n'attaquent pas. Vous les attaquez, vous les voyez. Vous les trouvez dehors. C'est comme ça, même la mère, même, est comme ça. Moi, je n'attaque pas. Vous m'attaquez. Elle dit comment? Ça ne me chauffe pas. C'est tout. Je ne suis pas là que. Je ne suis pas là pour jouer au baby foot avec vous. L'époque que je jouais au baby foot a été passée depuis. Voilà. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Envoyez les cœurs. Je reçois un message d'une dame. Une dame qui a eu à flirter avec Padé Fao. Cette dame me dit que elle était copine avec Marie la Régie. Pas des Fao et elle ont commencé à flirter, ils ont commencé à sortir ensemble et tout, un genre. Elle dit à Marie la Régie que maman, j'ai mon gars qui va venir me voir là. Viens, on va l'accueillir ensemble. Pas des Fao arrive. Il tombe sur Marie la Régie. Marie la Régie commence à lui parler bassa. C'est comme ça que l'autre gars, c'est l'un gars qui avait prêté l'argent, qui les avait donné l'argent pour qu'on donne
qui avait prêté l'argent, je n'aime pas souvent citer les contemporains, vraiment. Je n'aime pas trop ça, parce qu'il y a des gens qui payent, c'est-à-dire qui se retrouvent en train de payer les pots cassés pour rien. Je n'aime pas souvent citer les... Je n'aime pas. C'est quand c'est trop, que c'est aggravé, là, que moi, je cite souvent. Bref. C'est comme ça que Langadon appelle sa meilleure copine, qui est Marie la Régie. Marie la Régie arrive. Marie la Régie, c'est pour ça qu'à un moment, là, elle me disait, Kaka, est-ce que vous êtes les sœurs? Elle m'encourageait quand j'ai eu le problème avec la teneuse. Elle disait que, dis-donc, ma double BS, est-ce que toi et la fille là, vous êtes des sœurs? Parce qu'elle-même, il paraît qu'elle avait déjà fait ça à sa meilleure copine. Moi, je n'ai jamais été copine avec l'autre fille là, jamais. Donc, c'est comme ça que elle fait le tapis d'eau. Le gars arrive. Le gars arrive, elle demande, le gars commence à parler avec Marie la régie. Ça tombe que c'est entre les bassins. Va d'abord dans ta chambre. Va d'abord jouer dans ta chambre. Quand il finit, il t'appelle. On l'appelle directement, les deux commencent à parler le bassin. La fille Wanda, ne riez pas, l'histoire que vous dites est sérieuse. C'est comme ça donc Marie la régie commence à parler au bassin avec le gars. C'est devenu là là là. En de temps, elle sortait avec un gars là à Paris. Un livre compresseur. Un homme d'affaires, un féman. Comme vous voyez, insultez toujours les féman là. Pourtant, c'est un féman qui a transformé, qui a rendu sa femme ce qu'elle est là. Un féman. Un livre compresseur. C'est lui qui couillait avec Marie la régie. Maintenant, Marie la régie donc commence oh, parce qu'elle elle veut le mariage à tout prix. Parce que là où elle travaillait, à l'époque là, lui il habitait à Bâle. Donc elle était, l'Angala même qui flirtait avec lui était mariée parce qu'apparemment c'est un gigolo depuis les années. C'est un gigolo depuis. S'il vient nous montrer ici là, sur Facebook, un de ses bulletins de paye où il travaille à la banque. Je me déconnecte des réseaux sociaux. Il nous montre un bulletin de paye où il fait, par exemple, qu'il est dans un bureau. Il fait un direct. Parce que si tu es, tu travailles quelque part, tu as le droit de faire le direct où tu es. Tu peux poser comment tu fais le direct. Jamais. Tous les jours, quand il sort, il est toujours habillé en jogging. Je ne sais pas quel est le banquier qui est toujours habillé en jogging. Donc, c'est comme ça donc que il commence, la fille maintenant et lui commence à se voir. Entre-temps, elle travaille dans un, on appelle ça quoi, les poufs. Hein. On appelle ça les poufs. J'ai vu un gibier là que je veux bloquer un peu. Parler des choses là-bas avec ta grand-mère. Il commence donc maintenant à fréquenter donc Marie la Régie. Marie la Régie, elle veut à tout prix entendre qu'elle est avec un gars, parce qu'à l'époque là, c'était, il faisait partie des premiers gigolos de Paris, de la Suisse. Quand on parlait que pas des Fao, pas Jansan, le plus grand des gigolos, c'était lui. C'est comme ça donc qu'ils commencent à sortir ensemble. La fille dit que même. Gars, comment il te présente mon type? Toi, tu commences directement déjà à sortir avec. Elle dit que, ah, maman, est-ce que vous sortiez ensemble? Vous faisiez seulement l'amour au fond? Est-ce que vous avez déjà, vous êtes passé à l'acte? C'est comme ça que ça s'est gâté. Là, doit travailler là-bas au truc. Les filles ont commencé à la taper là-bas, là, les bagages chaque jour. On la tapait tout le temps. Parce qu'apparemment, c'est sa copine là qui a fait en sorte qu'on sache qu'elle a les quatre lettres. Je ne me moque pas que la maladie est, mais elle a les quatre lettres. Donc, quand la fille, maintenant, alors dit ça, comme le Joe aussi a aussi loué, il dit que ah, ça tombe même bien, je m'agrippe seulement avec toi, je reste avec toi, maman. C'est comme ça que la fille, maintenant, se fâche. La fille aime quitter l'Europe. La fille est partie, elle vient vivre dans son pays. Elle n'est plus ici. Donc,
La meilleure copine de la fille me dit que, mais tu sais même que, est-ce que tu sais même que Marie la régie que tu vois là, Marie la régie là, c'est une criminelle. La fille là, dans tous les Congo ça qu'il y avait, quand elle était à la frontière de la Suisse là, le Congo ça, les filles, elle, t'as dit, il y a un papa là qui bagarrait tout le temps là-bas pour Marie la régie. Si je mens, Marie la régie poste. Ces examens, je poste pour moi. Que Marie la régie va te faire le test. Elle vient poster. Et c'est elle qui ramène l'argent dans la maison. C'est Marie la régie qui travaille. Elle ramène l'argent dans la maison. Le monsieur là ne fait rien. Rien du tout. C'est Marie la régie qui amène l'argent dans la maison. Le père là ne fait rien du tout. Il ne fait rien. C'est comme ça donc elle décide. Son premier fils là, ce n'est pas avec pas des FAO. Je veux parler. Je suis fatiguée que tout le temps, quand moi je veux me calmer, je vais me réveiller. Moi je veux seulement parler. Ma bouche n'est pas le frein. L'enfant là, pas des FAO ne peut pas faire d'enfant. À cause de son diabète. À cause du diabète, pas des FAO ne peut pas faire l'enfant, comme je vous dis là. À sa soeur qui fait la prière, sa soeur a fait la prière sur lui jusqu'à. On dit qu'il est maudit, que depuis qu'il est en Europe, il n'a rien fait pour la famille. Il n'a jamais rien rapporté. Il cherche tous les moyens pour faire, pour essayer d'escroquer les gens. C'est comme ça qu'il fait. Il fait tout pour escroquer et il n'escroque que les femmes. Il n'escroque que les femmes. C'est pour ça que vous voyez que il ne se chamaille pas avec les hommes. Il ne se chamaille qu'avec les femmes. Regardez ces combats-là sur la toile. Est-ce que vous l'avez vu se chamailler avec les hommes? Toujours les femmes. Parce qu'il est habitué. On dit que quand il arrive, il fait toujours le beau, le beau, le beau. C'est sa femme qui paye tout. Quand il part même en vacances, quand il part n'importe où, c'est sa femme qui paye tout. Elle a sa tante qui est ici, avec qui il ne se parle même pas. On dit que le type-là, il a mangé son cerveau au point où, dès qu'elle a quelque chose, c'est lui qui mange. Quand elle a accouché son premier enfant là avec le gars. Et je veux pas qu'on me tape seulement à Paris. Parce que moi, ma bouche, j'ai envie de donner le nom du père de l'enfant là. C'est comme ça que j'avais donné pour Bongo, je dis, il a failli me tuer. Parce que si on dit qu'elle a chopé l'enfant. Dans la rue là. Le premier enfant là, ce n'est pas son enfant. Regardez bien les enfants là. Vous me dites s'il y a un trait de ressemblance avec le type là. Regardez bien. Le père, là, vous me dites s'il y a un grain de ressemblance. Non. Ce n'est pas lui le père de ces enfants-là. Si je mens, qu'il vienne me prouver le contraire. Ce n'est pas lui le père des enfants-là. Les enfants-là ont leur père. Les enfants-là ont leur père. Il n'y a rien. Regardez bien ces enfants-là. Aucun lien de parenté. Aucun lien de ressemblance. Regardez bien, si je mens, qui vient de mentir? Pas des fois où tu sais bien que ce ne sont pas tes enfants. Ce ne sont pas tes enfants. Tu le sais très bien que les enfants-là ne sont pas tes enfants. Tu ne peux pas faire d'enfants. Aucune femme d'État n'est venue te dire qu'elle est en retard. La femme antillaise même avec qui tu étais mariée. Tu t'étais même mariée avec la femme antillaise, là, c'était pour le Kaolo. Tu t'es marié avec la femme antillaise, là c'était pour les Kaolo. Tu as été marié à une antillaise. Est-ce que je mens? Est-ce que je mens? Au lieu de venir t'asseoir, prendre les remembers, me donner le rendez-vous que tu vas me clasher. Demande à ta femme de partir récupérer son enfant qu'on a mis à la porte là-bas à Paris. Demande à ta femme de partir prendre son enfant qu'on a mis à la rue, dans la rue. Vous avez dit que vous voulez venir sur les réseaux sociaux pour vendre les crèmes. Les crèmes même vous ont dépassé. Vous ne vendez plus les crèmes. Vous venez dire que vous voulez boycotter mon litchi. Vous êtes en retard. Le litchi est à lancer. Que vous allez venir boycotter mon litchi. Parce que je ne mérite pas être la maman des orphelins. Toi, tu mérites être le justicier. On est justicier quand on est neutre. Quand on n'a jamais insulté une femme. Quand on n'a jamais insulté les parties intimes d'une femme. Là, on peut être justicier, mais tu ne mérites pas toi-même d'être un justicier. J'avais insulté la maman
d'une blogueuse. On s'est excusé. Elle et moi, on a déconné, on est allé très loin. Oui, nous étions allés loin, mais on s'est excusé. Toi, tu t'es excusé vraiment envers les femmes que tu as insultées là. L'autre là, je ne pourrai jamais m'excuser. Celle-là, je ne vais jamais m'excuser pour elle là. D'accord? Et pour toi, je ne vais jamais m'excuser. Ton avocate a insulté. Ton avocat est venu ici là, insulté. Jusqu'aujourd'hui là, il y a la photo de ma mère sur sa page. Qu'elle a insulté ton avocate. Tu as fait quoi de ça? Tu as dit quoi? Ça a changé que c'est toujours ton avocat. Ça a changé que c'est ton avocat. Ok. Pas de FAO. Là, c'est lancé. Là, c'est lancé. Même si moi, je ne poste pas sur ma page, je vais donner ça à mes enfants, ils vont poster. On va voir comment ta femme drague les femmes. Ça m'énerve même. Je vais citer les noms des filles avec qui elle a niasse. Avec des preuves. Pourquoi ça te fait mal? Moi, vous avez dit que c'est pas ligne écrite. J'ai pleuré. Vous m'avez avec le mouchoir. Pourquoi quand il vient parler pour toi, tu pleures? Ce n'est pas ton enfant. Ce ne sont pas tes enfants. Ce ne sont pas tes enfants. Tu n'as jamais eu un retard avec une femme. Jamais. Tu connais le père des enfants là. Tu m'énerves, il veut donner son nom. Tu m'énerves, il donne le nom du père de ses enfants là. C'est pour ça que tu n'es jamais affectif avec ces enfants là. Parce qu'ils ne sont pas tes enfants. Il n'y a pas d'affection entre toi et ces enfants-là. Parce que ce ne sont pas tes enfants. C'est pour ça que tu étais toujours jaloux de ton ancien ami avec qui vous êtes parti au club. Ta femme était toujours obligée de vouloir faire les compétitions. Elle était obligée. À cause de toi, elle est partie faire l'enfant avec une autre personne. Mariez-vous en France aussi, non? Mariez-vous aussi en Allemagne, on voit. Pourquoi tu ne te maries pas en Allemagne? Tu dis qu'on doit boycotter mon litchi. Quand on doit boycotter mon litchi, parce que tu m'as manqué de respect, je t'ai répondu, on doit boycotter mon litchi. Tu vois que tu es léger, tu manques d'arguments. Un homme qui est un homme, un vrai homme, pas si c'est pas propre que tu dis, monsieur propre, le justicier. Votre justice, ça c'est sur Maliba, c'est mon litchi. Pourquoi depuis quand je t'avais dit d'arrêter tous ces problèmes-ci, tu n'es pas venu signaler quelque chose? Aujourd'hui, tu viens signaler mes litiges. Les gens ont cotisé dans tes bêtises là-bas que vous appelez les justiciers. Tu les as remboursé leur argent. Tu as escroqué l'argent de beaucoup de filles là-bas qui sont venues s'inscrire dans vos bêtises là. Que tu peux te faire les dons. Tu as fait les dons là de tes propres poches. Est-ce que tu as fait les dons de tes propres poches? Tout le monde a cotisé. Tout le monde a cotisé pour que tu aies fait les dons. Est-ce que tu as fait les dons que c'est sorti de ta poche? Rien n'est sorti de ta poche, pas des FAO. Rien n'est sorti de ta poche. Les gens ont cotisé pour aller faire ces dons-là. Elle n'a pas lancé, je ne vois pas. Viens pas encore lancer l'appel. Si il y avait à lancer, j'allais prendre. Parce que j'ai envoyé le lien. C'est pour ça que, justement, c'est pour ça que j'ai fait que bavarder, parce qu'elle n'a pas encore lancé l'appel. C'est ma lunette. Lance l'appel alors si tu es là. Je suis obligé de mettre les lunettes, je ne vois rien. En tout cas, le direct d'aujourd'hui, mais si aujourd'hui, c'était pas pour parler de Paradis Faoum, c'était pour parler de l'association. Mais il fallait que je.
Je plante le décor d'abord, non? En attendant. Aujourd'hui, c'est... C'est comme si les appels ici, là, ça ne donne pas. Parce que j'ai comme l'impression que les appels ici ne donnent pas. J'ai comme l'impression que les appels ne donnent pas. Je vous jure, est-ce que je n'y a pas d'appel là? Il n'y a pas d'appel. J'espère qu'elle n'est pas bloquée ici, sur la page ici. Ça ne prend pas un temps. Je fais quelque chose là. Dis, ah. Dis, mais t'avais Tina. Maï non, la rima non. Gen, le mot anga moi hebe ma pi. Anga moi hebe ma pi. Le mot est. Ah, comme. Ma programmé direct ya o ti yang ma biom mais mi yang awa o lagama o inye nyongon sénégalaise Nyenyong, 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 nyenyong. Avo manga ning vange. Nyanganza, nyanga. Nga nyong nga defao nyong nga wa bevanke OK Adium gabon a ma manen indirect ni a mi yang awa mi por me ki ma manen ma yang awa bon vongo Il faudrait que le père, si, qu'il apprenne, qu'il sache que. Attendez, je dois enregistrer ce numéro. C'est un numéro très précieux. Le père, s'il va comprendre que, comme ce qu'ils me font là, ce n'est pas tout le monde qui est d'accord avec eux. Ce n'est pas tout le monde qui veut que. Veulent me voir tomber. Attendez, j'enregistre ce numéro. C'est ça qu'il s'agit. Pas des favoris, tu as dit que tu veux la guerre avec moi. Te montrer que ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas avec tout le monde qu'on fait la guerre. Attends, je vais te montrer ça. Attendez, hein, ne quittez pas. J'enregistre le numéro là, c'est très important. Il faut que je l'enregistre. Tac. Tac.
c'est bon. Bon, maintenant. Je suis en train de vouloir chercher son Facebook. Ah d'accord. Je vois maintenant, mais il faut. Moi, je vais un peu essayer de lui lancer l'invitation, parce que moi, je n'arrive pas à. Elle envoie, mais. Attends, moi je vais un peu lancer l'invitation. Mets un peu un commentaire, je t'envoie l'invitation, s'il te plaît. Attends. Excusez-moi. Laissez-moi la grande gueule, mais. Attends, coucou. Voilà. Elle dit coucou. Attends, Attends, je lance l'appel. Il n'y a pas ça ici. Il n'y a pas ça ici sur le truc. Si je peux pas appeler, je peux pas lancer l'invitation. On sera obligé d'aller là-bas chez elle chancelier. Parce que là, ici, je peux pas lancer l'invitation. Non, il n'y a pas. Il y a bloqué. Supprimer un commentaire. Ajouter. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas. On est obligé d'aller chez. Tu m'as envoyé coucou là. Mais j'arrive pas. Quand toi tu lances l'appel là-bas, est-ce que ça prend? Allons chez les enfants de Maman Pépé. Allons chez les enfants de Maman Pépé. On va couper ici, on va chez les enfants de Maman Pépé. D'accord? Allons chez les enfants de Maman Pépé, s'il vous plaît. Venez de l'autre côté. Et bon, on se connaît ça.